Je suis saucée comme une saucisse. Ça fait une semaine que je cogite sur ce voyage. Je suis un peu malade, hein, oula. Et là, je me chauffe à aller à Saint-Barth. Parce que j'ai déjà été, mais c'était il y a longtemps. Mais j'ai le sentiment que c'était l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. C'est beaucoup 10 heures de vol, mais en soi, c'est pas genre 24 heures de trajet. À la fois, je me dis que j'ai des économies. Je vais investir, mais il faut que j'investisse aussi dans mon bonheur et dans mes expériences de vie. Parce que faut pas que je me fasse trop matrixer par la société qui veut qu'on achète des apparts et qu'on se range et tout. Avant toute chose, quand j'aurai 70 ans, j'aimerais me dire que je suis partie à Saint-Barth toute seule quand j'avais 26 ans pour me faire kiffer. Yes, mais je suis contente, je suis pas du tout stressée, je crois. En fait, j'ai peur que si je réserve pas maintenant. Allez, je réserve. Oh ! Au fond, moi, je sais que je veux faire ça. Oui. Est-ce que j'ai une confirmation? Je suis trop contente. Bon bah j'ai envie de vous dire que c'est parti mon kiki quoi. Juste il faudrait que j'aille mieux d'ici 2 jours quoi. Je peux pas être malade comme ça. Je viens d'arriver. Vous voyez le reflet dans la vitre. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment exactement ce que je recherchais. Je voulais vraiment ce genre de vibe où personne ne me voit ni ne me parle. Comme si j'étais dans la maison de campagne de mes grands-parents au bord de la mer quoi. La meuf a des drôles de critères pour la petite histoire. Avec Laure, une de nos plus grosses disputes, c'était ici à Saint-Barth parce que on était à la piscine de l'hôtel et on voulait toutes les deux boire de l'eau et aucune de nous n'osait arrêter le serveur pour lui demander de l'eau. Et pendant une demi-heure, on s'est embrouillé en mode mais toi demande. Donc comme quoi si vous êtes dans une phase où vous êtes en mode je me saoule, vous inquiétez pas, vous apprendrez, vous grandirez. J'ai l'impression que le regard des autres, faut que j'arrive à m'en détacher encore. Parce que ce qui m'angoisse le plus, c'est vraiment ce que les autres vont se dire du fait que je sois seule. Alors que globalement, les autres en ont pas grand chose à foutre, voire trouvent ça sympa quoi. Mais là, franchement, j'ai été hyper bien accueillie, tout s'est hyper bien passé, donc je me sens hyper bien. Ils m'ont offert une bouteille de champagne. C'est une liberté qui est exceptionnelle, que je puisse me dire, allez, j'y vais. Franchement, c'est... J'arrive même pas à réaliser en fait. Je suis sortie pour écouter les bruits des petits oiseaux et la porte d'hôtel elle s'est fermée sur moi. Il est 6h39. Attends mais je peux pas te croire. J'ai ouvert la baie vitrée tout à l'heure. Ouais je me suis réveillée depuis 4h du mat. Donc si j'arrive à passer sur le côté, je peux rentrer par la baie vitrée. Je suis pieds nus en plus, je sais pas la faune et la flore de cet établissement. J'ai pas le droit de passer par là je suppose. Je suis dans une cabine de massage. Par où je peux sortir? C'est fermé ou pas? Je vais me faire engueuler, j'aime pas. J'ai réussi, me revoilà chez moi. Je remercie. Regardez les rats. Juste après sur la vue. Mais il faut avouer que les hôtesses de luxe, c'est un peu des rats crevés des fois. Enfin, c'est leur esthétique, mais genre, la salade de fruits, je peux en mettre genre 7 de plus de cubes, s'il te plaît. Enfin, là, quoi, je... Ça va pas. Les œufs, ça va. Pancake, hein. Ok, babe. Mais ça va, c'est sympa. Et ça, ça vraiment. Dès qu'il fait plus de 8 degrés. Latte glacée, parfait. Oh, premier degré, soleil, ciel bleu, latte glacée, je suis heureuse instantanément. Malheureux. Ah, j'aimerais vous parler, mais il y a un vent à décorner les bœufs et les cocus. Hi friends. Chloé B est aussi ici à Saint-Barth. Je le savais pas quand j'ai réservé. On s'est rejoint pour boire un petit verre, profiter coin. Et c'était très sympathique. Là je suis rentrée, il est 18h. Je me suis pris un petit verre à l'hôtel. Et oui, je fais ce que je veux. Évolution de mes pensées sur le solo trip. Il faut que je sois 100% honnête. En gros j'adore avoir des moments seuls. Et dans des endroits comme ça aussi j'adore. Genre là le moment que je parle, je l'adore. Et la journée que j'ai passée, je l'ai adoré. À New York je m'étais déjà dit, il y a des moments que j'aimerais partager. Et ici aussi c'est un peu le cas, en fait c'est tellement magique et sublime que j'ai l'impression que s'il y a que mes yeux qui le voient, ça existe pas vraiment. J'aimerais tellement des fois avoir quelqu'un à côté de moi pour être genre, tu te rends compte ou pas? Du coup je me dis ça à moi, ce qui est déjà bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait me manquer. Guten Morgen! Il est actuellement 7h du matin et je pars à la recherche de la salle de sport. Le temps est sublime. Un homme. Un peu gênant à chaque fois. Bonjour. Je fais complètement semblant de savoir où je vais. Je vous le dis d'office, s'il y a genre plus d'une personne, je n'y vais pas. Et j'irai marcher. Mais en tout cas, le fait est que je me sens pas très physiquement bankable. Je me sens vraiment grasse et rouge. Rouge, c'est souvent le cas des premières expositions au soleil après l'hiver. J'ai mes règles, donc je me sens vraiment genre... Mais là, j'ai juste mis une tenue de sport. Et je me sens déjà mieux. Trouvé.
Ouf, le coup de froid. Oh, ça sent trop super bon là-dedans. Oh là là, le luxe. Et moi, j'ai pris ma petite bouteille. Gin Tour. Cette petite truc à l'entrée, très sympa. Serviette, bouteille d'eau, merci. Grande, globalement. Ça, nul. Tapis, excellent. Je vais faire ça, moi, aujourd'hui. On a deux, en plus, c'est les mêmes. Ouais, Slay. Ça, pour les vieilles personnes. Et ça, sympa. Est-ce qu'il y a des tapis? Oui, un tapis, donc si tu veux faire des exercices. Et moi, on se lance sur mon truc préféré quand j'ai envie de me décrasser la gueule, de libérer des endorphines et d'avoir l'impression que j'ai fait un marathon alors que j'ai pris que 20 minutes. Fractionné sprint sur un tapis de course. Au début, je marche 5 minutes. Ensuite, je cours, je trottine 2-3 minutes. Et ensuite, je fais pendant 10 minutes 30 secondes de course à genre 15 km/h. 30 secondes sur les côtés du tapis. Enfin, en gros, je sais pas si c'est la meilleure manière de faire du sport. Je sais pas ce que je prétends faire, mais c'est la manière qui m'amuse le plus. Dans mes écouteurs, je mets des sons de barjo et ça me défoule énormément. So let's go! Aux États-Unis, les kilomètres heure, c'est des miles par hour. Par exemple, 5, 12, 30. Aux États-Unis, je crois que ça s'appelle 12, 3, 30. Donc j'ai capté que le tapis il était en miles par hour quand j'ai commencé. Je me suis dit ok, je fais au pif parce que je connais pas la conversion. Et je l'ai mis à 11 miles par hour pour courir. Et au bout de 4 tours, je l'ai regardé sur internet. C'était 17 km/h. 17, 18, c'est mes records quand je me chauffe et je le fais genre une ou deux fois max. Après là, j'ai fait tout le truc à 16, 17. Ça m'a donné une gerbasse, mais c'était super agréable. Là, du coup, je marche un peu et après, je vais me faire des trucs d'abdos, je crois. Il s'est passé quelque chose, j'ai loué un scooter. Elle est là, ma belle princesse, mon scoot, mon ride or die. Waouh, les gens. J'ai pas la carte du permis, j'ai que la fiche provisoire. Et donc normalement c'est un peu break rock. Et j'ai eu de la chance parce que l'hôtel s'est démené mes filles. Et ils m'ont trouvé un loueur de scooter électrique. Sauf que j'ai jamais fait de scooter. Je n'ai jamais fait de scooter, donc c'est hyper osé de me confier ça. J'adore être libre 100% de mes mouvements. Et du coup être bloqué à l'hôtel tout le temps, c'était un peu relou. Donc là j'ai envie de pouvoir tout explorer toute seule et aller acheter. Genre là ce soir je vais manger à l'hôtel. J'ai pas envie de faire un room service puisque Uno ça coûte 100 milliards d'euros. Dozio, on mange toujours la même chose. La meuf se plaint pour rien. Donc je vais aller faire des courses genre. Je sais pas ce que ça va donner. Et voir un peu du paysage et tout quoi. Il n'y a pas de téléphone holder. Je sais pas comment je suis censée me repérer. Ok, déjà je sais voir le coffre. Oh putain, j'ai chaud, j'ai peur. Je suis très peu rassurée. Bon. Mon moi maléfique est content parce que le mec m'a dit que c'était du S le casque. Je suis contente de faire du S de tête. Enfin, vraiment, fallait se faire soigner. J'ai fait exprès de mettre des vêtements longs pour essayer de cacher mes membres. Oh, j'espère ne pas me porter l'œil. Tout à l'heure, il y a un mec qui a cru que j'arrivais pour travailler ici. Il m'a dit genre, tu vas bosser avec nous. J'ai genre, babe, non, j'ai la chambre juste derrière. J'aimerais tellement bosser avec eux, faire partie de cette grande famille. Souhaitez-moi bonne chance. Ah. Tu vas être malheureuse. Là, ça va. J'espère qu'elle soit mal. Merci. Hier soir, je me suis encore endormie à 20h40. À la fois, c'est pas bien, à la fois, c'est bien. Parce que là, il est 6h50. Et du coup, j'ai dormi 9h, 9h30, genre. Ça m'est pas arrivé depuis des années. Ok. Faisons une aparté sur mon sommeil. Genre, par exemple, quand je suis à Paris, mes journées, elles sont quand même globalement assez remplies jusqu'à genre 21h. Et du coup, de 21h à 1h du mat, je suis sur mon tel, sur mon ordi, parce que j'ai l'impression que je dois rattraper. Enfin, je dois regarder des films, je dois être sur TikTok, et j'ai l'impression que je sais pas comment faire. J'ai la FOMO du temps pour moi. Je sais pas comment expliquer ça. J'avais vu un article, je crois. En gros, le divertissement, je l'ai pas toute la journée, donc il faut que je l'aie le soir, quoi. Et le temps calme pour moi et tout. Alors que quand mes journées sont moins remplies, et ben, du coup, toute la journée, j'ai l'impression de faire des trucs pour moi et de faire les trucs que j'ai envie de faire. Et du coup, le soir à 20h, je suis en mode bon, bah, bonne nuit, quoi. Donc, c'est le cas ici. À 17h30, ma journée de dehors, elle se termine à peu près. Et je me lave et tout, je chill, je mange et voilà, quoi. Mais franchement, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien et j'aime bien commencer la journée à 7h. J'ai l'impression d'avoir une avance sur tout. La lumière, elle est super belle et tout, c'est trop bien. Donc, on est mardi, il me reste déjà plus que 3 jours. Là, je crois que je vais aller au sport tous les matins, comme j'ai fait hier, parce que ça me met dans un mood absolument extraordinaire. Mais d'abord, on va faire une toute petite marche sur le long de la plage pour
J'ai un tapis de yoga dans ma chambre. Si ma mère était là, elle serait déjà depuis 5h du matin en train de méditer là-devant. Mais moi, j'arrive pas à méditer. Donc, on va aller marcher. Franchement, c'est la meilleure chose au monde, pouvoir sortir de sa chambre, aller dans la salle de sport, sortir de la salle de sport, être au bord d'une piscine avec des palmiers. En fait, à chaque fois que je kiffe un truc, je le rajoute dans mon mood board de vie. J'ai passé une trop excellente journée, genre, ça fait tellement du bien, j'aime tellement ça. Bon bref, en route, mauvaise troupe. Avec les années, je suis vraiment devenue la pire flippette des fonds marins. Genre là j'ai fait 2 mètres, j'ai vu un truc faire à la surface. J'ai dit babe non, c'est un requin marteau. Et je suis partie au courant genre. J'ai pas trop confiance, genre là il y a un truc, je sais pas si c'est un homme ou un mort ou une baleine. Un homme. Un homme et il est bel et bien en vie. Il y a des moustiques, faut que je parte là ou là. Salut les amis. C'est le jour 4. Aujourd'hui on a le meilleur programme du monde entier. Un jeudi comme je n'ai jamais eu. Ce matin, je suis allée faire ma petite séance de sport à 7h claquante. On change pas, une équipe qui gagne. Je vais prendre mon petit scooter, c'est d'ailleurs la meilleure invention qui n'ait jamais été faite, ce scooter électrique là, c'est fantastique. Franchement, ça me change mon expérience. Je l'aime, vive mon scooter. Quelle belle journée qui s'annonce! Ok, première étape, Saline. J'ai posé mon scooter, je marche. Bon, ça devrait pas être trop dangereux. J'ai demandé à Emma, qui a vécu ici, et elle m'a dit que Saline, c'était un peu plus sauvage, et qu'elle aimait pas un peu moins, et que Gouverneur, c'était vraiment exceptionnel. On commence par Saline. On va voir ce qu'on va voir. Bon, on va arrêter de se mentir, il y a des destinations, tu peux pas être, genre, élégant. Enfin, il y a des moments dans les destinations, genre, à la plage, c'est quand t'arrives dans le sable, et que t'es en tatane, t'es obligé de marcher un peu comme ça. Effort de prod que je mets dans cette vidéo. Je veux pas en faire des tonnes, mais c'est quand même intense. Sachant qu'il est 10h là, pile, qu'il fait déjà 27 degrés, j'entends la mer. C'est bon signe. Je m'en sors pas du tout. Oh, qui va là? Waouh! Oh, ça me plaît. Saint-Barth, génie. Mettre des cendriers de plage à dispo à l'entrée. Des cendriers de plage recyclés en plus. Pour protéger la nature, c'est très bien. Bravo! C'est vraiment exceptionnel, c'est sublime, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et Emma a osé dire un peu moyen. Quoi? En gros, si je peux me permettre de faire des comparaisons, c'est Biarritz au Sgor et la Corse mélangée en mieux. Ce qui a la beauté de l'eau de la Corse, le calme de l'eau et les montagnes autour, les grandes dunes de plage du sud-ouest, mais le soleil de plomb et la végétation sublime quoi. Et l'eau encore plus belle que partout. Quelle liberté, quel kiff, c'est incroyable. J'ai changé d'endroit, je suis à Gouverneur. C'est une des plus belles plages de l'île et c'est vraiment sublime. Il y a 5 ans quand on est venu avec Laure, on a pris cette route pour descendre et je m'étais dit c'est la plus belle route que j'ai jamais vue. En fait c'était je crois même le plus bel endroit que j'ai jamais vu. J'ai eu un sentiment quand j'ai pris cette route qui m'a jamais lâché depuis et je me suis toujours dit c'est tellement le paradis, je ne refouterai jamais les pieds ici, c'est irréel genre. Et j'y suis de nouveau. Retour à la case. C'est qui? Oui pardon, bonjour, je dors là. J'ai le droit d'être ici. Ah, vous êtes à l'hôtel? Oui. Ah désolé. Ah non mais le mec m'a suivi en caisse. Je te connais. Il a dit en fait quand je suis en scooter ici, je pense que les gens riches ne louent pas de scooter. Je crois que c'est trop des problématiques. Mais en tout cas les gens qui dorment ici ne louent pas de scooter. Et du coup à chaque fois que je suis en scooter, tout le monde est genre tu bosses où? Normaliser le fait de rouler en scooter électrique, merde, on est peut-être obligé de se déplacer en jet hein. Bref, donc je vous disais, la femme du peuple est allée acheter un jambon beurre. J'ai du taf, il est 14h30, donc je vais me mettre une petite heure, je pense, 3/4 d'heure dans ma chambre pour travailler. Et je vais peut-être me replonger un peu au fin fond de la piscine après. Et ensuite, massage times. Je me suis douchée, j'ai enfilé le strict minimum. Et je vais aller me faire huiler le corps à côté de ma chambre. On y va. Il y a quelqu'un là. Ce serait hilarant qu'il y ait quelqu'un juste là. C'était incroyable. Je suis au paradis. Là, je suis au paradis des rides aussi. Ok guys, je suis rentrée. Je me fous à poil.
Je suis rentrée du massage, c'était divine. Divine. Attendez. En rentrant, je suis passée prendre un cocktail. J'ai pris un fou rire de 5 minutes parce que le mec me l'avait mis dans un petit gobelet. Faut vite que je retourne à la réalité. En fait, qu'il est excellent. Le petit monsieur... je suis en train de perdre la boule. J'ai failli pleurer pendant le massage parce que je suis trop triste de partir. Et je suis trop fière de moi et ce voyage, ça m'a fait tellement de bien. Attends, d'être triste quand on est une superstar. On a un dîner auquel se rendre. Il faut que je m'habille, que je me coiffe et que je me maquille. Ça m'a rendu les yeux plus clairs, ce massage là. Bon, c'est... J'ai fait une immense connerie, j'ai laissé les clés du scoot sur le scoot de 14h30 à 19h. Et le scoot n'a pas bougé. Welcome to Saint Barth. J'avais été genre vraiment à Paris, il aurait disparu en 12 minutes. J'ai trop stressé, j'ai paniqué. En fait, moi j'avoue, j'ai du mal avec les trucs apprendre à ne pas perdre les clés de maison. Ça m'a pris genre 7 ans de vie d'adulte. Donc là, pas perdre les clés de scooter, ça va me prendre 12 ans. Bon bref, je suis prête. J'ai mis une petite robe. Tout nu, je me suis fait un petit make-up et tout, sympathique non? It's a fun! Un débrief s'impose mes loulous. Hier je vous ai quitté en partant au dîner avec Chloé et Mimi. Je peux pas tout vous raconter, si je peux tout vous raconter en plus. En gros pour la faire courte... Quand t'es un groupe de femmes ici à Saint-Barth, dans un établissement, les choses te sont facilement offertes. Quand les femmes en question sont très belles. Je parle pas de moi, je parle des deux autres qui sont absolument exceptionnelles. À savoir que je voulais pas te dire mais je suis moche ici. Les standards de beauté ici c'est un peu américain de l'époque, genre un peu 1m80, maigre, le style un peu naturel et tout, c'est pas trop leur DA. Donc je passe à la trappe, c'est pas grave. Du coup voilà, les filles sont sublimes donc il y a des trucs qui nous sont offerts. Je ne peux pas repartir en scoot car j'ai trop bu. Je croyais que j'allais boire un verre et être fine et en fait j'étais vraiment wasted. Donc du coup les filles m'ont gentiment proposé de dormir chez elle, ce que j'ai fait. J'ai découché. Pas ma chambre d'hôtel à 100 milliards d'euros qui m'attendait comme ça. C'est pas grave, on fait tout pour le plot. Vu qu'on est en débrief et que de toute façon j'ai pas d'amis là, donc je vais le dire à vous, même si vous êtes ma première option bien sûr. Le serveur hier était absolument exceptionnel et on s'est fait copine avec une serveuse qui m'a donné son Insta. Et je vous dirai s'il réapparaît. Moi je parie sur il réapparaît pas. Mais dans la vie de célibataire, il faut savoir mettre son ego de côté pour continuer à avoir du self-love. Malgré les échecs, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Mais il faut accepter que c'est pas parce que le mec te répond plus que t'es une merde quoi. Ça me fait trop kiffer de me rendre compte de à quel point je suis indépendante et que je me trouve trop forte et drôle et sympa et belle. J'ai fait tellement de progrès sur l'acceptation de mon corps et de moi-même, même si j'ai plein de complexes bien sûr. Mais il y a 5 ans quand j'étais là, j'osais à peine, comme je vous l'ai raconté au début, j'osais à peine lever la main pour demander au serveur un verre d'eau et aller jusqu'à dans la piscine tellement j'étais complexée et pas hyper confiante quoi. Je ne suis toujours pas un exemple absolu de confiance en moi, mais en tout cas j'ai fait beaucoup de progrès donc c'est super. Donc voilà quoi. Est-ce que entre temps Mister Universe m'a écrit? Il était vraiment divinement beau genre. Pas de nouvelles. Est-ce qu'il m'a... Alors là ça par contre mon ego il prend un gros tarif s'il a ouvert le message. Alors attends, est-ce qu'il m'a bloqué? Pourquoi je vois plus son... Il m'a bien vu. Ah non mais le vu. Oh là 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 là. Oula bah en même temps je viens de tomber sur des images qui font que ça m'arrange bien qu'il m'ait bien vu. Bon voilà. Humiliation en direct live, putain. Je fais un petit tour en tant que local. Local à Saint-Barth. Bye bitch. Je suis venue à... chez Saint-Barth Solaire. Ça s'appelle Ligne ou Saint-Barth Solaire? Ligne. Qui m'ont donné un petit cadeau. Je vais vraiment déménager ici, franchement vous allez pas vous y attendre et je vais me foutre le camp. Faudrait que je gagne à l'euro million avant. Et là on va aller à Gustavia, faire un peu les magots et voir un coucher de soleil. Je me bouge un peu là. Je viens de faire un draft, c'est Hépatite Saint-Barth. J'en ai eu pour 350 balles. À tous ceux à qui je vais ramener un souvenir, estimez-vous heureux parce que vous m'avez coûté plus cher que mon voyage pratiquement. Bon, j'ai pas de réseau, je sais pas comment trouver mon chemin, faut que je me bouge. Le soleil se couche dans une seconde. Je suis vraiment dans l'allée de quelqu'un. C'est vraiment vertigineux. J'ai pleuré sur le scoot tout à l'heure. Le soleil, il est juste là. J'ai peur de tomber sur moi. Je suis vraiment... C'est vertigineux, tout ça. Cette mer et tout là. Moi, ça me coupe le souffle. Quand
quand je suis seule, je me fais des leçons de morale en non-stop. Donc j'en ai eu plein, je vais essayer de faire un épisode de podcast sur comment j'ai vécu, qu'est-ce que ça m'a appris. J'aurais aimé avoir peut-être 2 jours de plus pour être plus en mode manifesting. Enfin, plus en mode réflexion profonde et tout. À la fois, tout n'est pas un film, donc en fait, tout ne peut pas se passer comme prévu. On a une énorme galère de départ. Je suis même pas sûre de partir, je vais vous raconter le teasing. Mais d'abord, je dois fermer mes valises. Je suis anxieuse, en fait. Ça me donne de l'anxiété, ces histoires de départ. Ma théorie sur les valises, c'est que la qualité d'une valise ne se trouve pas dans son design, mais dans sa capacité à se fermer, peu importe ce que tu mets. Une bonne valise à zip, tu peux t'asseoir et presque mettre le corps d'un homme de 2 mètres à l'intérieur. C'est excellent. Franchement, la valise, elle a même plus une forme de valise. En fait, moi, je fais Saint-Barth-Saint-Martin dans un petit avion et Saint-Martin-Paris dans un gros avion. Et Saint-Barth-Saint-Martin est annulé car le vent ne fonctionne pas, je sais pas quoi. En tout cas, les vols jusqu'à maintenant midi sont annulés. Et après, on va voir. Donc là, soit, par miracle, l'avion décolle, ce qui est un peu anxiogène car il fait vraiment 1 mètre de long. Donc s'il y a un problème, c'est la merde. Soit, je dois prendre un bateau. Et les bateaux de Lille, il y en a plus. Donc c'est un bateau privé, il y en a plus. Et il est midi, je sais pas comment ils sont organisés. Donc il faut que je prenne un bateau privé qui va me coûter drôlement cher. Cette île aura pris la totalité de mon compte en banque et de mon estime de moi. Eh, vas-y, cette caméra qui marche pas là. Écoutez, mes pauvres amis, la caméra a fait son temps. Je l'ai cassée, je crois bien. Le sujet avion est réglé. Il part, il vole, donc je peux partir. God fucking bless. Et voilà, c'est la fin de notre voyage ici, quoi. Quelle tristesse, mais quel kiff. Je n'ai aucun regret. Aucun regret, genre vraiment j'ai tellement bien fait de le faire. C'est une super leçon. En fait, moi je suis contente de me dire que je peux faire ce que j'ai envie de faire sans attendre des autres. Même si partager des moments avec les autres c'est trop bien. Je me limite beaucoup sur l'avion et tout en vrai. J'essaie de pas du tout prendre l'avion comme je le prenais avant. Depuis 3-4 ans, j'ai réduit énormément. Je refuse quasiment 100% des voyages qu'on me propose pour le travail. Et je pars moi souvent avec mes amis en France, en Corse, dans des endroits qui ne nécessitent pas de prendre l'avion. Et du coup, je me fais un voyage en avion par an à peu près. Et là, je m'étais dit, j'ai envie de le faire ici, quoi. Enfin, j'ai envie de partir au soleil à ce moment-là. Genre, si j'avais attendu mes amis, j'aurais jamais fait ça. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je veux pas un message de surisolation parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé ici. Mais de me dire, je peux me le payer et j'ai le temps pour le faire. Donc, je veux le faire. J'ai eu raison parce que c'était vraiment trop, trop bien. Donc, gros bisous aux filles d'ailleurs et merci à elles. Si elles avaient pas été là, j'aurais pu faire ça avec des copines, par exemple des copines d'Emma qui bossent ici. Ou j'aurais pu faire un truc avec vous qui habitez ici. J'aurais toujours trouvé une solution pour faire voir des gens. Dans toutes les destinations où je voulais aller ailleurs, il y avait des gens que je connaissais qui y étaient. Véridique. J'hésitais à aller à l'île Maurice ou en Thaïlande et dans les deux endroits, il y avait des gens que je connaissais. Peu importe où j'aurais été, j'aurais eu des copains, quoi. Tout le monde me dit, ça te saoule pas d'être reconnu et tout. Ça te saoule pas d'être une superstar. Non, je rigole, mais moi vraiment j'ai trop de chance parce que j'ai une vraie sororité avec les filles de ma communauté qui savent qui je suis. Je sais pas, j'attire la sympathie, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai un peu des copines partout, quoi. Je sais pas, il y a un truc tacite qu'on dit pas trop mais qui fait qu'on est gentils les unes envers les autres et c'est trop agréable. Mais Saint-Barth est une île surprenante. Je vous en parlerai dans le podcast. Je crois que c'est la fin de notre aventure. J'espère que ça vous a plu de partager ce moment avec moi. Moi, ça m'a plu. Merci. I love you. Vivez votre vie pour vous et écoutez vous en étant gentil avec les autres, mais en vous faisant kiffer. Et je tiens aussi à préciser que le solo trip, t'en fais bien ce que tu veux et ça n'a pas forcément à être un isolement absolu dans une situation absolument horrible. Merde. Quelle heure est-il? On m'appelle pour partir. Peace out. Bye, bitches.